Eh bien bonjour à tous, c'est les amis, c'est votre bar. J'espère que vous avez bien écouté. Moi c'est Nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour découvrir un tout nouveau simulateur nommé My Supermarket. Donc en gros, mon magasin, voilà. Après avoir ouvert, bien sûr, des tonnes et des tonnes de magasins, ainsi qu'un énorme magasin de jeux vidéo, aujourd'hui les gens, on est parti pour ouvrir notre propre supermarché. Donc d'ailleurs on est accompagné de Billy, le panda. Eh oh! Hey! Dis-leur bonjour, non? Non, je suis absent. Les yeux qui tapent, regardez ça! Regardez ça! Mais tu fixes quoi là? Le mur, l'extérieur? Les fleurs? Peut-être les fleurs. Et d'ailleurs, le jeu, les gens, est en français. C'est assez rare, hein, bien sûr, mais ça fait extrêmement plaisir. Du coup, bonjour, Fidjumper. Bienvenue dans mon supermarché. Laisse-moi te montrer les alentours. Oui, j'ai changé de voix entre deux, tu vois, au début. Voilà, j'ai hésité, j'ai eu du mal à lui trouver la bonne voix, tu vois. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il va nous dire? Nous devons d'abord faire quelques petites préparations. Vous pouvez déjà commencer par construire une place de parking sur le parking. Non! Tu crois? Tu crois, Billy? Tu crois? Bon, bah écoute, place de parking sur le parking. Ah, oh, il se barre sans moi! What? Il a une guitare Roblox! Trop stylé! Oh là là! Et en plus, il nous montre tout. Sélectionnez une place de parking, s'il vous plaît. Bah écoute, je vais prendre, voilà, dans autre. Oh! Mais c'est excellent! Tu peux placer les trucs où tu veux! Ah, génial! C'est un petit peu comme l'espèce de SimCity Roblox qu'on avait testé. Voilà, je vais la placer là. Voilà, juste ici, écoute, hein, comme ça. Super! Regardez, voici notre premier client. Cliente, hein, d'ailleurs. Ok, très bien, bah, je vais là-bas. Bonjour, madame! Il y a un seul caddie, hein, c'est normal, nous faisons l'ouverture. Elle a l'air heureuse, hein. Wouhou! Super! Voyons ce que le client veut. Alors, nous sommes en rupture de stock. Pas étonnant que le client n'ait rien acheté. Réapprovisionnons les étagères. Ouais, mais où ça? Alors, vous devez d'abord récupérer les marchandises. Ouais, ça roule. Et super, maintenant, allez à l'étage vide et réprovisionnez. À l'étagère, hein, pas à l'étage, parce que je veux dire, il n'y a pas d'étage. Ok, bonjour madame, attendez, je mets, voilà, des trucs sur les télés. Alors, aujourd'hui, nous avons du lait et encore du lait. Voilà, bon, bah, j'espère que vous êtes venus pour du lait, hein, non parce... super, maintenant, à l'étagère vide et réprovisionnez. Ah bah, ça, c'est bon, je viens de le faire. Bravo, et les clients commencent à acheter des marchandises. Bah écoute, regarde, prenez pas 3 heures à chercher, c'est le même lait, hein, tu vois. Voilà, ok. Alors, le client s'apprête à aller payer à la caisse, mais la caisse n'est pas prête. Installez-en une dans votre supermarché. À la caisse, je peux la placer où je veux. Mais c'est génial, mais c'est excellent. Alors, on avait déjà joué à ce genre de jeu, et là, c'est encore mieux, hein, tu vois. Ok, voilà, c'est bon, placez la caisse à côté de l'entrée, c'est fait. Bonjour madame. Du lait, c'est ça? Oui, j'ai deviné. Super, maintenant, aidons le client à payer ses achats. Oui, ça roule, donc il faut que je... Ah, donc s'il vous plaît, un article, c'est ça? Ok, bah, un article, du lait. Bah, écoute, je suis en train de... Ah, d'accord, 16 dollars, pas mal. Fantastique, dis donc, client, jusqu'à la sortie. Non mais Billy, la sortie, c'est... dans le monde moderne, il y a une entrée, une sortie, hein, tu vois, de... Ok, bon, bah écoute, en vrai, on lui a montré. Ah, c'est bon, fantastique. Bah, il est où le client? Le parfait, le premier client est très satisfait. Nous attendons de nouveaux clients avec impatience. Mais écoute, moi aussi. Moi aussi, Billy. Oh, il y a une voiture. Billy, qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu. Oh, elle est pratiquement ma chemise. On dirait. C'est plutôt une marinière, là. Alors, il y a de nouveaux clients. Oh non, il n'y a plus de caddie dans la zone pour en emprunter. Déplaçons quelques caddies dans la zone pour les déposer à la zone pour les emprunter. Tu déconnes. Il faut que je redépose les caddies parce que les gens, ils font nimp avec. C'est pas un karting, hein, le truc. Ok, c'est bon, je passe à l'Anda. Voilà. Ok, mais fais attention au fil d'attente. Si le temps d'attente est trop long, les clients seront mécontents. Eh ben écoute, ils auront qu'à acheter ailleurs. Donc, la violence. Si je commence comme ça, le magasin va fermer en 24 heures. Hein. Bon, d'ailleurs, on est ouvert 24 heures sur 24. Et tous les jours. Ok, la cliente aimerait connaître certaines caractéristiques du produit. Et donc là. Alors, écoutez, c'est du lait. Donc, ça vient d'une vache, hein, en particulier, celui-là. Voilà. Donc, écoutez, pourquoi du rouge et du bleu? Parce que on sait qu'il y a des gens qui aiment la couleur rouge sur l'étiquette et le bleu. Et voilà. Donc, ça vous a satisfait? Non? Oui? Ouais? Bon, bah, j'imagine que oui, parce qu'elle regarde le lait. Super! Le client a déjà commencé à acheter les marchandises. Merci. On dirait une mascotte de parc d'attraction, Billy. Bon! Super. Maintenant, laisse-moi te montrer le grand magasin du centre-ville. Pendant que le client se balade dans le supermarché. Oh! Waouh! Ah oui! D'ailleurs, il vient d'apparaître, hein, le hôtier. Le grand magasin est l'endroit où vous pouvez acheter du matériel pour votre supermarché. Excellent! Ici, vous pouvez acheter de nouvelles étagères et des décorations pour décorer votre supermarché à votre goût. Ah, ça rappelle My Restaurant! Ça se demande si c'est pas le même créateur, d'ailleurs. Elle veut des carottes. Je l'avais pas encore.
Alors, les clients ont l'air de vouloir de nouveaux produits. Eh ben écoute, on va le mettre là, il me demande de le mettre. Hein. Juste là, à côté. Oh ! J'ai un nouveau client, c'est un lapin ! Écoutez, ça ne m'étonne pas, on est un panda déjà. Donc bon. Une nouvelle étagère de marchandises peut attirer de nouveaux clients. Ah oui, parce que c'est des carottes. Oh, ah d'accord, ok. Donc du coup, ça attire Bugs Bunny. Ok, très bien. Donc alors, nous attendons de nouveaux clients avec impatience. Ok, ça roule. Bah écoute, moi ça me va, hein. Donc si je mets la pâtée pour chien, il va y avoir des chiens, c'est ça. Ok. Ok, ne voulez pas le reprovisionner. Ouais, ça roule. Tu pourrais pas m'aider. Voilà, très bien. Ah d'accord, tous les cartons, c'est pour tous les trucs. Oh, excellent, il s'habille des carottes. Pas mal. Alors c'est une carotte, hein. T'en achètes toute seule à la fois, hein. Là, c'est pas par pack de 5, hein, tu vois. Bravo, le client a commencé à acheter des marchandises. Génial. Ne dites pas qu'elle veut un renseignement pour ça, quand même. C'est des carottes. S'il te plaît. Voilà, c'est bon. Ok, du coup, je vais m'occuper de la caisse. Je commence à comprendre. T'inquiète, Billy. Bonjour. Alors, vous avez commandé du lait, c'est ça. Voilà, et aussi également des carottes. Ah, c'était pas facile à retenir parce que... je fais mon premier jour, vous savez, je suis à la fois directeur et caissier, gestionnaire de caddie et spécialiste pour les sorties de magasins. Voilà, donc nous attendons de nouveaux clients avec impatience. Ouais, bah, je sais bien, Billy. Bon. Bah écoutez, on est pas mal. Je me demande si on va pouvoir engager des gens. Ça serait ouf. Ah bah oui, le personnel en haut à gauche. Très bien, on a les avantages. Les advantages, attention. L'information, les véhicules, les supermarchés, les échanges. Très bien, il y a un nouveau client. Ouais. Oh, c'est un lapin. Ok, doucement, il y aura 7 cadets pour tout le monde. Attendez, je vais en prendre. Est-ce que je peux en prendre? Bon, ok, il veut pas pour l'instant. J'imagine qu'il faut les laisser gérer tout le truc. Là, ça y est, c'est la fin du tuto, c'est ça. D'ailleurs, j'ai un niveau. Très bien. J'ai un système de niveau. Pas les prendre ici. Non, je ne peux pas les prendre là. Très bien. Bon, c'est pas grave. C'est quoi? Alors, oh non, il n'y a plus de caddie dans la zone pour emprunter. Mais oui, je voulais le faire. Allez. Bonjour. On va mettre 3. Voilà. Fantastique. Déplaçons les caddies maintenant. Oui, c'est bon, ils vont les prendre. Je peux pas en prendre plus. Ok. Bon, c'est bon, c'est bon. Ah, sympa. On se sent bien ici, hein. Très bien. Ah oui, on voit même la pancarte du lait. Milk. Donc ça veut dire que là, avec ça, je peux déplacer, compléter le tutoriel. D'accord. Ok, pas de problème. Elle veut quoi? Étagère, ok. De toute façon, on va suivre Billy. Sacré pick-up! Il y a trop de clients en ce moment! Le frigo ne peut plus servir tout le monde. Nous aurons besoin d'un autre frigo. Pas de problème! Je le mets où, Billy? Ici. Ça roule. Bam! Nickel. Ah oui, faut que je réapprovisionne. On va mettre du stock. Nya, c'est bon. Pas besoin. Hop, excusez-moi! Pardon! Y'a qui bosse? Voilà. Et ben voilà! Le supermarché est beau! Cela est si excitant! Écoute, calme-toi, Billy. Ça va aller, ça va bien se passer. Alors, après il va falloir que je m'occupe de la caisse. Je pense que là, niveau tuto, on est bon là. Et là, il me fout le badge du directeur au niveau de la poche gauche là. Ok, bon. Alors, parce qu'on a les Billy. C'est bon? Il fait quoi? Il tape la discute avec elle ou quoi? Et oh, on est là pour bosser, hein. Pas pour, hein. Ok. J'hésitais. Les carottes ou pas? Oula, je l'ai un peu poussé, tu vois. Ok, bon, mais ils ont l'air très contents. C'est très bien. Alors, est-ce que j'ai besoin de mettre de stock? Pas besoin. Ah, ça y est, on passe à la caisse. Mon moment préféré, quand je ramasse les billets. Oh là là, c'est quoi? Vous êtes une famille nombreuse ou quoi? Ils se mettent bizarrement à la queue là. D'ailleurs, ils sont complètement pas dans le bon sens en fait. Voilà, allez, c'est parti. On va aider à payer, ouais, bien sûr. Donc, vous avez pris quoi? Des caisses bleues, j'imagine que c'est du lait bleu. Et vous, pareil, c'est ça? Ok, lui c'est les carottes, hein. Lui, c'est sûr. Voilà. Ok, ouais, il faut bien se mettre devant le... Hein. On va mettre des caisses automatiques, à force. Hein. On va mettre des caisses automatiques. Voilà, comme ça. Et enfin, le dernier. Le petit dernier, le lapin. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux les carottes, ça? Eh ben, ça fera 20$. La carotte. Oui, monsieur. 20$. Et ben, 18 plus 1. Ben, on était pas loin, en plus, quand j'ai dit ça. Et ben, voilà. Je vais reprendre des caddies ou pas? Je ne peux pas. Ok. Tant que je suis dans le tuto, voilà. Bravo, tous les clients sont satisfaits. Eh oui, t'as vu ça, Billy. On a géré. Pas. Alors, bah écoute, c'est difficile. Embauchons du personnel pour vous aider. Maintenant, cliquez sur personnel. Oui, c'est bon, j'imagine. Oh, Daisy. Daisy, bienvenue dans la famille du Supermarket Furious. Là où tous les gens sont furieusement contents de venir acheter au supermarché. Ok, voilà. Oh, c'est... Allez, en mode caissière, excellent. Ah, et tous les... Ah, jouer tous les jours pour obtenir des cadeaux. Énorme. Du coup, on va obtenir 52 cash. Oh, tu peux tenir jusqu'à 10 000 au bout de 20 jours. Excellent. Et ben voilà, on est bon. Billy, je me sens seul sans toi, Billy.
Ah bah je crois que c'est mort hein. Maintenant on va pouvoir enfin devenir le directeur. Et bah écoutez les amis, on est parti du coup pour enfin commencer. En tant que direct, elle a abandonné, qui a dit d'accord, très bien. Non mais elle se barre, elle se casse, très bien. Attends, il y a une personne devant, je vais aller voir. C'est peut-être une quête. Alors, je repose ça là-dedans, nickel. Ok, bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il vous faut? Allez le magasin central de la zone. Récompense. Oh, ok, attends, il y a des quêtes. Bah écoute, au magasin central. Pas de problème, je peux prendre une voiture. Non, je peux pas prendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Le grand magasin. Ah, il y a un TP, excellent. Oh, génial. La tête du truc. Level up, niveau 2, yes. Et 100 de cash. C'est ça que c'est bon. What? Oh, énorme. Congélateur à lait, carottes, le stand de pommes. Alors, est-ce que je peux pas plutôt engager du personnel en plus? On aurait James et tout. On verra après. On va peut-être prendre déjà des nouveaux trucs. On va essayer de tout prendre. Mais il y a beaucoup trop de trucs. Regardez ça, les gens. Mais c'est ouf. Niveau 21. Ah, d'accord. Il faut un certain niveau pour débloquer ce qu'il y a derrière les barrières jaunes. Ok. Oh, attends, c'est le plan Piranha de Mario. Mais c'est ouf. Le Piranha, 2 milliards. Pff, ok, très bien. Non, mais c'est tout, c'est tout. Ça, c'est. Ok, 10 millions à une caisse enregistreuse plus rapide. Ok, et là c'est la classique, pas de problème. Bon, bah écoutez, on va prendre. Donc ça on a déjà, je vais pas reprendre les mêmes choses. Donc je vais prendre ça, oui, centre de pommes, citrouille et de poulette. Voilà, après on ira prendre, on prend tout. On veut être ce supermarché les gens. Le truc énorme, tu vois, le truc énorme. Ok, donc là on est bon, bah je l'ai visé, c'est bon. Je récupère la récompense. Yes, c'est fait. Il m'a donné un congélateur. Organiser l'espace de stationnement. Acheter dans le magasin central. Oh, il faudrait plus de... Ah, bah si j'avais su, j'aurais gardé un peu de suite, mais c'est pas grave. Écoutez, on va déposer, justement, enfin... Mais non, mais... oui, c'est vrai. Ils abandonnent les caddies si jamais il y a personne pour se, t'sais, pour les aider, pour les conseiller. Voilà, donc ça, on est bon, très bien. Alors, donc, on va commencer à mettre... Je peux mettre des trucs ici ou pas? Parce que le décor, comment ça marche? Donc là, on a quoi? Mon supermarché. Ah oui, c'est pour le TP. Les avantages. Ah oui, non, ça, c'est des trucs abusés, ça. Le véhicule. Oh! On a un Segway! Overboard! Génial! Et l'échange, c'est quoi? Ah, c'est pour les tickets! Excellent! Bon, on va en faire du stock. Voilà! Très bien, on va en mettre ici. Impeccable! Ah oui, ça en met qu'un seul! Il me faudrait un personnel pour accueillir les clients, les conseiller, vendre et aussi stocker. Ça, ça pourrait être pas mal. Bon, au niveau des étagères, on va mettre bah, de dos. Je pense, ça serait pas mal. Genre. Non, là, on va le mettre à côté. Ça, c'est pas grave. Voilà, nickel. Yes! J'ai débloqué un nouveau client, Einstein! Ça fait tellement ça. Ça fait vraiment, vraiment ça, quoi. J'aime pas trop mon lieu de stockage, vous voulez. Attendez. On peut faire. Non, on peut pas faire. Attends, je vais enlever. Voilà, nickel. Est-ce que je peux le déplacer, ça? On va le mettre là, là, genre un peu. Il va... Bon, il va être chiant, mais. Oh, derrière le congélateur! Ah bah non, parce que je vais mettre les trucs de poulet. Peut-être. On va le mettre là, à l'entrée. Voilà, nickel. Et là, je vais mettre. Du coup. Le petit coin en mode, bah écoutez, légumes. Voilà, j'ai débloqué un nouveau client. Super! Un nouveau congélateur. On va mettre là du poulet. On va inverser un des deux. Parce que ça va me saouler d'avoir que du lait au même endroit. Voilà, parfait. Là, on va y mettre le poulet. Voilà, nickel, on a débloqué le chef cuistot. Et ensuite, du lait derrière. Voilà! On devrait même les séparer, je pense. Est-ce que je peux le faire ou pas, genre maintenant? Ça va les déranger ou pas? Ça vous dérange si je fais ça? Eh ben c'est pas grave! Faut avec! Voilà! Regardez comment c'est classe! Trop stylé! Donc il va falloir restocker, bien sûr, je sais, choquant. Voilà, donc là on est bon. Alors, on va stocker ça. Voilà. Je vais aller voir aussi c'est combien pour avoir une personne en plus. Ça serait bien que quelqu'un s'occupe du stock. Il s'y fait lui! Fais quoi? Les pommes! Bah les pommes, elles sont là les pommes! Qu'est-ce qu'il fait là-bas, frère? Ah, en plus, il y a un petit carton au-dessus quand il manque des stocks. Oh, mais ce jeu est tellement cool! Ok, on obtient de la thune, c'est bon ça. Impeccable. Impeccable, faut pas que j'oublie les caddies. Voilà. Ok. Bon, du coup, on va retourner voir le mec là-bas. Le stationnement, c'était combien le stationnement? Alors, les caddies, je vais en prendre. Oh, ça va, il y en a pas mal. Il y en a encore 5. Voilà, et je les pose là. Nickel. Bon, du coup, oui, c'est ça. Stationnement, c'est ça. Ok, 500 dollars return. Ça vaut carrément le coup. Alors, les places de stationnement. Oh, c'est là. L'espace de stationnement. Yes. Je suis déjà niveau 2. Qu'est-ce que c'est? C'est ça? Oh, c'est pour... Fais voir, c'est combien? 37? 74 seulement? Mais attends, mais c'est pas cher du tout! Ok, bon. Je vais le TP à mon supermarché directement. Ouais, génial.
Ok, donc, je vais déplacer la place de parking puisque ça me stresse. Je vais la mettre... Voilà, on va la mettre genre... pile comme ça. La voiture, faudra me la déplacer, hein, s'il vous plaît. Là, c'est pas bon. Bon, du coup, on va mettre l'espace. Encore, parking. Regardez. Parfait. On va mettre un autre ici. Voilà. Nickel! L'autre s'est garé là. Comment vous avez fait pour sortir là avec la portière là? C'est un coup à rayer la caisse là. Voilà, la récompense, Dan. Merci, mec. 500 cash. Encore une autre quête. Servir 5 clients. Bah, écoute, ça marche ici. Madame qui s'en occupe. Attends, justement, en parlant de personnel, je vais engager James. Ah, on voit bien, regardez. Donc, lui, il est spécialiste. Donc, James, c'est un vendeur. Très bien. Dora, la caissière. Ok, bah, écoutez, on va engager James. Et attends, diriger carrément? Mais non. Ah, d'accord, c'est pour mettre en pause des gens. Bah, écoutez, on va engager James. C'est 640. Bam! Yes! Oh, énorme. Après, on aura aussi également Mary. Ah, tu peux rafraîchir. Ok, pour avoir d'autres personnes. Il y en aura Stephen qui sera vendeur. Donc, vendeur. Ok, donc là, ça veut dire qu'il va s'occuper de réapprovisionner. James! James! Oh! C'est là, James! James! Attends, je vais les conseiller. Voilà. Ok, j'ai même pas besoin de rester à côté. Il m'entend, je veux pas. Donc, du coup, je vous disais, ouais, les carottes, c'est pas mal pour la santé. Le mec, il gueule de loin, tu sais, au loin. Niveau 3, 500 de cash. Bah, ils ont l'air tellement contents. C'est ouf, du coup, ouais, c'est ça, il est en train d'organiser le truc. Alors, j'imagine que pour les conseillers, il me faudrait une caissière en plus, ça serait bien, un caissier. On verra après. Donc, ça, on va remettre des caddies. Je sais pas s'ils s'occupent des caddies, hein. Par contre, c'est ça le truc. Hey, Billy! Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Vendre sans article. Ok, ça roule, Billy. On s'en occupe. Servir du client, enfin, 5 clients, c'est bon. On est pas mal. Alors, est-ce qu'on mettrait pas une caisse supplémentaire? Écoutez, moi, je vois bien une caisse en plus, du coup, on va. Ah oui, il faut retourner. C'est vrai, au grand magasin. Si je veux pouvoir, justement, ajouter, écoutez, une nouvelle caissière, avoir une caisse enregistreuse. C'est 1000. Ah, c'est 1000. Oh, regardez les gens maintenant, j'ai le bus qui est disponible pour le supermarché. C'est énorme. Du coup, les gens qui n'ont pas de voiture pourront venir en bus. Et regardez comment c'est trop stylé. Feu Jumper, supermarket. What? C'est quoi ce monde? Oh là là. D'ailleurs, j'ai même vu que on pouvait avoir des informations des clients, en gros, hein, ce qu'ils aiment. Là, on voit bien que lui, il aime bien les carottes et tout, etc. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on peut se renseigner. Mais moi, de toute façon, j'avais dit que je voulais absolument tous les trucs possibles, tous les articles possibles. Tiens, d'ailleurs, justement, merci pour la caisse enregistreuse. J'en avais besoin en plus. Alors, organiser la caisse enregistreuse x2. Ok, ça roule. Bah, écoute, déjà, j'ai déplacé celle-ci. Voilà, on va l'engager une autre personne. Hein, parce que là, là, c'est un délire. C'est clairement un délire. Si je la mets comme ça, un peu. Ah, mais ça la décale vachement. Comment ça se fait? On n'est pas droit du tout là. Attends, est-ce que je peux pas les mettre côte à côte là? Ah yes. Ok, on en a une en plus. Impeccable. Il m'en faudrait une autre. Ça serait bien. Ça serait pas mal. D'ailleurs, on peut acheter aussi également les extensions, hein, de magasin pour en avoir encore plus. Et ben voilà, nickel. J'ai obtenu un stand de pommes. Encore. Mais étant donné que je l'ai déjà, j'ai envie de changer, tu vois. Je préfère. Est-ce qu'on peut pas le vendre, genre le recycler ou un truc comme ça? Genre si je le pose et que je fais recycler. Enfin voilà, je le pose là, recycler. Ah, je peux pas le vendre. Je peux pas le vendre. Je suis obligé de le poser. Bon bah écoute, bah, on va rester dans le thème des légumes, hein. On va le mettre là. Voilà, ok. Ah oui, un renseignement, oui voilà, excuse-moi. Désolé. Ok, donc là on est bon, on va engager d'autres personnes. Oh, on a 2000. Y'a Bob l'éponge. Y'a Bob l'éponge. Vous voulez du pâté de crabe, c'est ça? J'en ai pas, désolé, mais y'a carrément Bob l'éponge. Oh, le monde t'y attend pour les caddies. Oh, il va falloir acheter des caddies. Ah, attendez. On va engager du monde. On va engager Stephen. On va engager Russell. Voilà, on va rafraîchir. Ça, c'est beaucoup trop cher. Je vais engager ensuite Adriana. Ah, la tête qu'il y a, je veux Adriana. Je veux Adriana dans mon équipe. Voilà, ok. Ah ouais, il y en a, plus ils sont chers, plus ils peuvent faire des choses. Excellent. Du coup, fais un petit peu. Donc là, je regarde un petit peu les icônes qu'ils ont au-dessus de leur tête, vous voyez les gens. Ok, histoire de libérer au niveau 105, au niveau 7. Ah! Alors Stéphane, je vais le mettre en repos. Et Adrian, bah ils font la même chose. Ah lui, il est spécialisé dans les caddies. Ok, bon, bah, écoutez, il y en a qui sont là pour les renseignements et d'autres pour les stockages. Bon, très bien, alors on va aller voir. Lesquels je pense que ça aide. Vendre sans article, ok. Et vendre 5 pommes. Bah écoute, moi ça me va. Je vais peut-être racheter un stand de caddie, hein. Clairement, ça pourrait être intéressant de racheter un truc de caddie. Je suis déjà niveau 4 et 100 Robux, hein. Ça que c'est bon. Ok, alors ça,
J'en veux bien. On va en acheter pour... J'ai combien? 1000. On va en acheter 7. Voilà. Comme ça, on va être bien. D'ailleurs, j'ai vu pour les sols, c'est à l'étage, les amis. Regardez, je vais vous montrer vite fait. Pour l'étage, nous avons tout ce qui est sol. On a même un arbre à pognon là-bas. D'accord, pourquoi pas. Donc là, regardez, ici, voilà. T'as plein de décorations un peu VIP, avec des pixel art, tout ça. Et des barrières néons, tu vois. Et le sol, qui est juste ici. Donc t'as du sol classique jusqu'au sol doré, tu vois, là-bas. Voilà, donc du coup, on va pouvoir retourner au supermarché. Et on va y placer justement... Bah écoutez, et bah directement le... Mais attends, je l'ai acheté, mais c'est où? Ça se met où? Oh! Mais attends, mais il m'a pas donné mon truc? Sans déconner? Attends, faut que je retourne. Mais j'avais acheté un truc de caddie! C'est passé où? Sans déconner, c'est passé où? Je peux pas les placer? Attends, j'en ai acheté un. Voilà, ça le met où là? Mais non, mais sans déconner? Mais où? Ah ouais, très bien, mais on m'a volé mes trucs de caddie, j'ai le seum. J'ai trop le seum, j'ai regardé au cas où ça m'a acheté des caddies direct, mais pas du tout. Donc là, je récupère. Ok, l'étagère pour les poulettes. On va mettre au niveau du rayon un peu frigo, tout ça. Ils abandonnent tellement de caddies, ils abusent. On va le mettre là. Voilà. Là, on va être très bien. Level up. Yes. Merci pour la thune. Bon. Très bien. Donc là, on est pas mal. On va mettre... Ok, dans ça, on va laisser comme ça. Du coup, donc là, on est bien. En plus, au niveau personnel, on est... Attends, mais du coup, justement, personnel... Non, ça, c'est les avantages, on s'en fout. On pourra rajouter une personne. Niveau 7. Ah oui, c'est vrai, mais je ne suis pas niveau 7. Je suis pas niveau 7. Bon, du coup, c'est pas grave. On va rester comme ça. Mais le monde qui attend dans mon magasin. D'ailleurs, on peut changer le thème. On peut changer le thème, regardez, du supermarché. Ici. Voilà, directement. C'est très cher, hein, mais c'est stylé. Voilà, tu peux avoir plusieurs styles de couleurs et tout. Ok, donc du coup, on y retourne. Billy, 2000. Merci pour la thune, Billy. Ça va être bien pour moi, chien. Ensuite, donc il nous faut quoi? Alors, les étagères de poulet. Il faut que j'en rachète. x2. Ah! Écoute, je vais racheter du poulet alors. Du coup, donc, on retourne ici. Alors, qu'est-ce que j'aurais besoin là? Parce que les places de stationnement, bon. Voilà, on est bien déjà. Mais ça, j'ai trop le seum pour les caddies. Mais en plus, c'est trop cher. Genre, maintenant, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi! Alors, je sais pas si. Peut-être ça va être ajouté avec le temps, mais. Ou alors c'est mon truc qui est pété, tu vois. Oh, y'a le fermier du coin là qui vient d'arriver là. Qu'est-ce qu'il nous dit de bon lui? Vendre sac Boris là. Bah écoute, pas de problème la vie, je vais m'en occuper. Alors attends, on va mettre un congélateur. Oh, c'est de la boisson, énorme. Justement, on va pouvoir le mettre là. Parce que là, niveau place quoique j'aurais peut-être dû mettre des légumes dans l'autre coin là-bas. Au moins ça cacherait toute la partie un peu grisée. D'ailleurs j'ai vu pour le sol, mais je vous avais dit c'est extrêmement cher. Voilà, donc on va mettre les boissons. Bah ici, voilà, très bien. Yes, on a débloqué un... Un fou. Je vois que ça. Du coup donc, il me faut du maïs. Du coup, direction le grand magasin. Il me semble que je n'ai pas acheté de stand de maïs. Et non. Du coup, je vais le prendre. Yes. Voilà, ça que c'est bon. Les tomates. C'est pareil. Écoute, on prend. Voilà. Et des bouteilles d'eau. Voilà. Au moins, j'aurais terminé avec tout ça. Le soda, je l'ai déjà. Ok. Et les tomates, j'ai un doute. Est-ce que je viens de les acheter, je crois. Je viens de les acheter. Oui, je les ai. Ok. Très bien. Du coup, direction mon magasin, et on va pouvoir prendre, enfin, et poser surtout ces étagères là. Donc, les tomates, on va les mettre à l'entrée, genre ici. Voilà. Et c'est grand-mère qui va être contente. Voilà. Ensuite, le maïs. Parfait. Et ensuite, l'eau. Écoute, les boissons. Donc, les boissons. Ah, les boissons, on aurait pu les mettre côte à côte. En mode. Genre comme ça. Écoute, moi ça me va. D'ailleurs, ça fait un style. Bah ça genre, ah c'est pas les mêmes étagères. Et, ok, il faudrait que j'organise ça mieux en fait. Faudrait organiser ça mieux, au pire, on va tout changer. 3 heures plus tard. Ok les amis, regardez comment mon magasin est devenu tellement stylé. Oh là là, c'est ouf, je l'ai tellement agrandi. J'ai ajouté, regardez, des nouvelles caisses enregistreuses en marbre, hein, tellement stylé. Bon, il manque les caissières, mais ça va venir. Oh, il y a même les flics et tout qui viennent maintenant. Tellement classe, vous venez de Bad City, c'est ça. Du coup, il manquait aussi également le sol parce que j'ai acheté pas mal de trucs. Bien sûr, vous allez voir, il va aller là, voilà. Oh, level up. Oh yes, niveau 7. Envoie le cash. Et aussi également, je vais pouvoir engager d'autres personnes. Alors attendez, on va mettre le plancher, voilà, comme ça. En vrai, le plancher, c'était pas vraiment cher, hein. J'en ai eu pour 1000 pour 100. Voilà, pour 100 blocs comme ça. Et là, on va mettre du coup du verre pour tout ce qui est légumes et fruits, etc. Je trouve que ça irait bien, regardez. C'est volontaire, voilà, en fait, la petite ligne. Regardez, trop stylé. Voilà, impeccable. Voilà, et là, on va enlever ça.
On va enlever cette partie là, comme ça, et on va y mettre du rouge. En mode tapis, tu sais. Regardez, comme ça. Tellement classe! Tellement classe! Et là, pareil. On va enlever ça. J'ai failli enlever. On dirait une gomme ce qu'il a dans. C'est la gomme là, bleue et orange et rouge là. C'est la fameuse gomme bleue qui, soi-disant, enlevait le stylo. Voilà, nickel. Voilà, très bien. Ok, on est pas mal. Regardez ce monde. Tiens, c'est ouf. Bon, alors maintenant, au niveau du personnel et aussi. Attends. Je voulais vous montrer un truc qu'on peut faire. C'est ça. On peut. J'ai enlevé la pancarte. Je viens de l'enlever ou pas là? Non. Elle est où? Elle est où? Ah non, elle est là. Ok, c'est bon. Elle a juste disparu. Voilà, en fait, voilà, elle est là. Et en gros, je peux mettre. Regardez, genre ici, bah. Vu que c'est les fruits ici. Le lait. Le lait, il est passé. Bah là. Il y en a là. Donc je vais le mettre là. C'est tellement stylé d'avoir des pancartes comme ça. Regardez, le lait ici. Voilà, ici. Bon. Bref, on va laisser ça en mode central. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'utilité là-dessus. Bon, et bah écoutez, on est pas mal. Et j'allais dire, donc oui. Maintenant, alors, déjà, on va se récompenser. Voilà, déjà vous avez vu mon parking, comment il est énorme. Ah je l'ai agrandi, ah ouais. Ok donc ça c'est bon, merci. Oh, ah oui on a débloqué du coup des nouveaux objets, enfin, de la nouvelle bouffe à vendre. Bon t'as vu là, merci pour le maïs là. Voilà bah oui parce que j'ai terminé, je l'ai vendu là, regardez. Il y a le maïs ça, voilà. Alors attends. On va engager le personnel. Alors il nous faut des gens différents. Ça serait bien. Ça serait bien. Donc là, tac, les caisses. Est-ce qu'on a quelqu'un en caisse? On n'a pas quelqu'un spécialiste. Jimmy, je t'engage, mec. Ensuite, Jimmy, il est là. Ok, Jimmy, il est bon. Très bien. Je regarde le logo, en fait, ce qui est au-dessus. Il me faudrait une nouvelle caissière. Ouais, il me faudrait une nouvelle caissière. Donc, il me faut Gwenda. Yes, et là, je vais pouvoir réfléchir. Voilà. Ok. On est pas mal. Oh, attends, elle est plus puissante en caissière. Regardez, elle a 3 barres jaunes. Ah ouais, bah je vais mettre en repos Daisy. Et je vais embaucher Phyllis. Voilà, oh Aaron il est tellement ouf. Ouais mais 25 000, ok, faut se calmer. Voilà, et là c'est bon. Et bah voilà, regardez, c'est les barres jaunes en fait. C'est leur niveau en fait, hein. Voilà. Donc plus ils ont de barres jaunes, mieux c'est, et on voit les spécialités. Voilà, très bien, bon. Et bah là, oui j'ai mis aussi également, vous avez vu tout ce qui est parti stock, voilà dans ce coin là. J'aurais mettre des trucs jaunes autour, des cases jaunes. Du coup donc là. Oh, c'est les nouveaux trucs à vendre. Excellent. Tellement cool quoi. C'est pareil en fait, ça prend autant de place. Alors, est-ce que je mettrais pas ça genre dans un angle et que je dégagerais pas du coup genre ça, truc de stock. Je pense pas qu'ils aient besoin autant de stock, hein. On va recycler, hein. J'avais testé mais au final ils en ont pas besoin autant. Voilà. Et je vais mettre, regardez, dans ce coin là la partie un peu tu sais, chips tout ça. Donc là il me faudrait, on va déjà mettre dans un angle comme ça, celui-ci. Est-ce que c'est mieux comme ça ou pas? On va voir comme ça. Oh là c'est la bouffe pour chien. On va le mettre là-bas ça. Voilà, ici, très bien. Oh yes, du coup on attire les chiens. J'avais dit ça au début mais c'est vrai. Oh là là. C'est tellement ridicule mais bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, bon bah ça c'est bon. Parce que oui en général les trucs pour les animaux c'est souvent en fin de rayon en général. Bon du coup ça c'est bon. Pourrais-je mettre des décos aussi? Genre là. Voilà, un peu de bambou. Voilà, c'est beau. C'est beau. Et là je pourrais mettre un truc qui sépare. Ça ferait 3, 1, 2 et 3. Ah non c'est pas mal. Ah c'est pas mal, alors je vais laisser comme ça. Ok, bon, et bah écoutez on est bien. Oh, on a une nouvelle personne pour une quête. Genre madame. Alors, vendre la nourriture. Bah écoutez, pas de problème, hein, moi ça me va. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit du coup? Organiser l'étagère de nourriture pour animaux. Ah! Faut j'achète encore de la nourriture pour animaux? Pas de problème! On va faire ça, du coup j'ai débloqué un nouveau, une nouvelle zone. Qui est, bah écoutez, cette partie-là. Du coup on a quoi ici? Est-ce qu'on avait la bouffe pour animaux ici ou pas? Oui! M'en faut une autre. Voilà. Ensuite, oh du ping! 24 000, non, peut-être pas. Les bananes. Bananes, ouais, on va prendre les bananes. On va prendre de la viande. On va prendre des jouets. Les chips, j'ai déjà. On va prendre des raisins. Oula, non, c'est 16 000. Ça, c'est quoi ça? Des glaçons et les pastèques. C'est cher. Ok, bon, c'est pas grave. Oh, après, il y aura des peluches, des jouets et tout. Oh, énorme. Et regardez, au niveau 21, on a tout simplement d'autres jouets. Également les couverts, donc les assiettes, les médicaments, tout ça. Les ballons de basket, les lunettes, les chaussures, bah oui, les vêtements. Aussi également, et là on aurait quoi d'autre? Les jeux! Ah ça c'est bon avec GameStar Tycoon. J'ai eu le taf. Oui parce qu'au final j'ai dit un simulateur mais c'est aussi un tycoon, hein, un petit peu, mais bon. C'est entre les deux, c'est un simulateur tycoon, voilà. Et là on a les instruments de musique, ok.
là, tout ce qui est multimédia, donc les tablettes, les télés, les téléphones. Énorme. Et bah écoutez, on va retourner à notre supermarché. Voilà. Et là, du coup, je vais remettre de la nourriture pour chien. On va y aller, du coup, regardez, oh, nos deux caissières. Tellement stylé. Tout le monde est content, en tout cas. Pour chien. Mettre ça comme ça. Est-ce que je peux mettre ça comme ça? Ah, je suis obligé de le laisser comme ça. Ok, bah écoute, c'est pas grave. Est-ce que je peux mettre une plante au moins? Voilà. Vraiment stylé. Comme ça. Ah, par contre, elle dépasse un peu, non? Ça va me stresser. On recycle. Voilà, on va mettre celle-ci. Ah bah attends, je pourrais faire une rotation. Eh bien, voilà. Tellement propre. Regardez ça. Trop cool. Franchement, je surkiffe au magasin. Perso, je sais pas ce que vous en pensez, les gens. 100 Robux. Donc du coup, hop, on est bon. La viande. Ça, c'est ici. Donc on va en mettre de l'autre côté. Ah. Yes, du coup, on débloque le loup-garou. Ok. Ça, c'est quoi? Ah, c'est le coin jouet. Le coin jouet, je voudrais bien le mettre. Genre... peut-être... pour que ça bloque, ça cache les stocks. Ici, voilà. Ok, et le stand de bananes, donc là, bah, c'est les fruits. Donc du coup, ici. Et voilà. Et bah voilà. Ce magasin. Et on se la pète. Hein. Moi, je veux débloquer aussi également les trucs au milieu, là. Ah, attends, j'ai débloqué une récompense. Voilà, bonjour. Yes, merci pour les 1000. Et là, du coup, faut quoi? Vendre 30 articles. Et bah écoute, ça sert tranquille, l'ami. Ah, les amis. Regardez comment il fait beau. Regardez comment les clients sont présents. Et ça sent surtout... non, pas une odeur de fleurs, une odeur d'argent. Ça sent l'argent, les amis. C'est ça que c'est beau. Et regardez, je suis niveau 11. Il y a tellement de monde dans mon magasin. C'est un délire. Madame, oui, j'ai pas le temps, désolé. Voilà, c'est du lait. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, hein. Et du coup, on va tout de suite aller directement au niveau du supermarché, hein, du grand magasin. Histoire, bien sûr. D'ailleurs, justement, je vous conseille de prendre le véhicule. C'est ça que c'est bon, ça va vite et on va pouvoir, regarder accéder à une nouvelle zone. Oh là là, on va pouvoir acheter des peluches. C'est ça, le stand de poupées. Ensuite, on a quoi? L'étagère à puzzle. Ensuite, les délicieuses saucisses. Ensuite, le fromage et le poulet. Voilà. Donc ensuite, il nous faudra le niveau 16 si je veux pouvoir, bien sûr, débloquer la dernière zone. Et ça serait ouf déjà qu'on arrive à terminer tout ça, quoi. En un coup, en une vidéo, quoi, parce que là, c'est un délire. Et oui, donc du coup, ça fonctionne bien. Hein, les trucs de caddie, c'est juste qu'en fait, c'était bien ça. Ça ajoute un seul caddie. Voilà. Donc, bon, alors du coup, alors, attendez, on va retourner chez moi. Bon, et maintenant, on va pouvoir y déposer, comme je le disais, les nouveaux trucs. C'est quoi tous ces caddies abandonnés là? Oh! En plus, j'ai engagé du personnel de ouf là, regardez ça! J'ai vraiment des élites et tout, hein, selon leur fond bleu et leur fond vert. D'ailleurs, ça veut dire qu'effectivement, ils sont plus efficaces. Le vert étant moins bien que le bleu, hein. Donc, du coup, alors. Où est-ce que je vais placer ça? On va placer, du coup, alors le décor. Donc ça, alors c'est dans le décor? Non, bah non, c'est les étagères. Donc on va mettre le stand de poupées. Bah on va le mettre dans les... au niveau des jouets, en fait. Hein, moi, c'est comme ça que j'avais prévu. Alors attends, le mieux, c'est peut-être de déplacer ça. On va le déplacer. On va le mettre au milieu. C'est quoi? On va le mettre genre là. Attends, ça fait quoi si je veux mettre mon stand de... Ah d'accord, faut le déplacer encore plus à gauche. Mettre là. Voilà. Ok, on va mettre ici, ensuite on va le mettre là. Très bien. Oh, j'ai débloqué une nouvelle cliente. Et ensuite, les puzzles. On va mettre, ah bah moi je peux le mettre là. Regardez, plus dans l'angle, ah bah non il était comme ça. Bah voilà, regardez comment c'est trop bien. Voilà les feux d'artifice, alors attendez. Le stock, vite. Hop là, très bien, on a les peluches. C'est lourd, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est les puzzles. Et ensuite les puzzles, ensuite. Donc on a le poulet, d'ailleurs regardez, j'ai fait en sorte de mettre, regardez, le pain à l'entrée. Non mais mon magasin est ouf, hein. On va pas se mentir, hein. Le pain est juste là. Voilà, il est ici. Ensuite, on a le poulet qu'on va mettre directement. Où est-ce qu'on le mettrait? Le poulet rôti comme ça. Bon, on va le mettre là, regardez, comme ça ils ont le choix entre directement rôti ou alors pas cuit, tu vois. Alors ensuite, les saucisses. On pourrait le mettre bon, on va le mettre là, regardez. Juste en face. Voilà, comme ça. Et là, oh, on a débloqué Batman. Oui, parce que c'était le terrible secret de Batman. Ce n'est pas qu'il était Bruce Wayne, c'est qu'il aime les saucisses. Et le fromage, juste à côté. Voilà, moi je trouve que ça va bien aller ensemble. Ça peut être beau. Regardez, c'est magnifique. C'est toute beauté. Ah ouais, c'est pas censé être moi qui m'occupe des caddies là. Je suis le directeur, je vous rappelle. Vous avez vu maintenant, j'ai 35 caddies en attente. C'est ouf, hein, comme quoi. Eh, c'était bien ça, acheter des caddies. Oh, on a Batman. Ouais, je voulais justement des crêpes de raisin. Et du coup, le fromage qui est là. Et du coup de l'autre côté nous avons bien sûr les saucisses comme vous l'avez vu et le poulet rôti. Voilà, ouais, parce que là il y a un peu moins de monde, ça fait plaisir. Au moins on peut voir un petit peu plus le magasin. Du coup je vais attendre d'être niveau 16. Oui, ça va être loin, histoire de pouvoir
eh ben, les amis, obtenir la dernière parcelle, hein, justement, qu'on a vu tout à l'heure. 80,000 impressions later. Ok, les amis, après 2 heures d'attente, ça fait 2 heures. Alors, heureusement, hein, petite technique, hein, j'ai bloqué une touche de clavier, comme ça je sautais, hein, en permanence, hein, histoire de pouvoir être AFK et regarder les gens. Ça fait 2 heures que j'ai pas joué et je suis niveau 16 et j'ai 6 millions. 6 millions, heureusement que j'ai pu AFK. Et d'ailleurs, il y a tellement de monde, il y a beaucoup d'abonnés, je sais qu'ils m'attendent au magasin et c'est ça que c'est bon. Attends, comment ça, je ne peux pas... Oui, parce que vous avez vu, parce que oui, il y a les magasins, tu sais et tout. Mais on a aussi également un circuit, on a une ville. Mais c'est beaucoup trop stylé. Attendez, il faudrait que j'aille là-bas directement. Alors attendez, on va prendre le véhicule, on va faire ça avant toute chose, avant que j'oublie. Ah, ah d'accord. Il y a la musique qui change... Mais attends, c'est... D'accord. C'est quoi ce changement instant de musique? Oh, mais la ville, elle est ouf. Ah oui, c'est un délire. C'est vraiment... C'est énorme, en fait. Il y a carrément une grande roue. Je vois ma lumière avec mon bas de signal dans le ciel. Feu jumper. T'imagines si tous les magasins avaient ça. Tu verrais le gros logo McDo dans le ciel, tu sais. Donc, du coup, bon, on est parti. Waouh, mais il y a trop de trucs. Alors, normalement, si j'arrive... Bon, attends, tu sais quoi, je vais me TP. Le mec, il a la flemme de faire... Bon, allez, non, allez, vas-y. Non, on va arriver comme ça, en mode avec l'overboard. Oh, le terrain de basket. Tellement stylé. Toutes les voitures. Kaya est devant chez moi. Salut, j'arrive. Je suis là. Ah là là là. Attends, je vais leur dire. Je suis là. Je suis là. Je suis au magasin. Au magasin. Avec un smile. Voilà. Ok. Voilà, c'est bon. Comme ça. Oh là là. C'est ça que c'est bon. Tellement de bon. Bon, du coup, alors, maintenant qu'on est niveau 16, on va pouvoir, les gens, justement, aller acheter. Bah écoutez, alors, je dis ça, mais en fait, il faut que j'aille quand même au grand magasin. Bah oui, parce que c'est bon, on a débloqué. Moi, j'attends niveau 16, c'était pour ça. Regardez. Yes. On va pouvoir acheter les jouets voitures. 430 000. La sucette. Le... C'est un poulet en conserve. Oh là, ça va être dégueulasse. Ensuite, on a également le poisson. Avec bien sûr, bah écoutez, le steak. Attends, c'est genre le poisson de... Ah ouais, la vache, c'est la grosse tranche de saumon, mon gars. La peluche, on l'avait déjà, la saucisse aussi. Le puzzle, ah bah c'est bon. J'ai tout pris. Ah ouais, mais j'ai perdu tellement de thunes. Ok, très bien. Non mais c'est tout, par contre, ça veut dire que je pourrais acheter des trucs à 3 millions. Mais parce que oui, j'ai acheté aussi la nouvelle... La nouvelle caissière, voilà. Donc, enfin, la caissière enregistreuse, voilà. Donc, du coup, bon, on est parti, direction la maison. Allez, allez, tapette. Bon, d'accord, très bien. Bon, j'y vais par le TP classique, hein, voilà, c'est bon. Yes. Et on est là. C'est ça que c'est bon. Alors, du coup, donc, on va pouvoir... Ils m'ont repéré ou pas? J'arrive. Ok, c'est trop cool. Donc, du coup, alors, l'étagère, Batman. On va la mettre. Alors, les jouets. C'est le délire. Il y a eu les soldes ou quoi pour qu'il y ait autant de caddies abandonnés au milieu? On va mettre les jouets encore ici. Voilà. Ensuite, on avait l'étagère de poisson. Alors, le poisson. Alors, on va voir déjà. Ah, ça! Ça, c'est la petite étagère comme on l'aime. Voilà, que je peux mettre ici. Impeccable. Ensuite, l'étagère spéciale poisson. Je vais la mettre. Ah ouais, là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Là, je voudrais la mettre. Est-ce que je peux la mettre là? Oh bah non, mais là, ça va être... Ça va être un délire. On va la mettre... Attends, les bonbons, tiens, on va mettre ça à côté des chips. Voilà. Nickel. Ça se goupille bien, tu vois, pour le 4h. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, les conserves. Il y avait ça aussi. Ça irait clairement avec la pâté pour chien, hein, franchement. 4 food, j'avais pas vu de la bouffe pour chat. Voilà, on va la mettre là. Et enfin, et bien sûr... Ok, un cambrioleur. Très bien, on débloque un cambrioleur. Allez, on va le mettre là. Le poisson, on va le mettre... On va le mettre là, regardez. Séparer un petit peu entre les chips. C'est un peu le rayon surgelé. Et les légumes. Voilà. C'est ça que c'est beau. Oh là 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 là. Il y a trop. C'est bien une peluche, d'accord, qui fait... C'est bien un ours qui fait les... d'accord. Qui achète dans un magasin. Oh là 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 là. Attendez, il y avait une voiture aussi également. Que je voulais voir. Est-ce qu'il est possible de voir un petit peu c'était combien le prix de cette caisse? Attendez, voilà, je prends ma caisse. Ma caisse. Pas mon overboard. Ah. Petite voiture, ça a combien? Ça coûte combien, ça? Y'a le prix là-dessus ou pas? Ah d'accord, c'est même pas, on peut pas l'acheter. Ok, d'accord, c'est uniquement décoratif. Très bien, très bien, très bien. Bon bah écoutez, on va retourner au niveau du magasin. Voilà. Et du coup, bah écoutez, on est pas mal. Alors j'ai vu aussi également, regardez, on va pouvoir, on peut changer les haies.
Regardez, juste ici, en fait, on peut changer la couleur de nos haies à l'extérieur. On a un hôpital à côté de chez nous, très bien, au cas où il y a un petit souci. Ah bah, on va les mettre en jaune, tiens, pour le fun. Voilà! En jaune. Bon, ça fait un peu automne, mais voilà, c'est pour le fun. Et du coup, la façade de magasin... C'était combien, la façade? Déjà, je crois que c'était 5 millions, je crois que c'était hyper cher. C'est... Oh ouais, 16 millions, ils ont craqué. Ok. Et du coup, bah voilà, les gens, j'ai terminé avec mon magasin. Il est rempli à fond de balles. C'est un délire. Regardez. Tellement cool. Oh là là, on est parti de rien. Et on l'a fait, on peut être fier. C'est un délire. C'est super beau. Et pour fêter ça, on va péter le mur. Bam. Voilà. Et peut-être qu'un jour, on continuera justement ce petit Tycoon Simulator. Ouais, c'est moi qui l'ai inventé. C'est une fusion, tu vois. Et voilà. Regardez. Ça serait tellement classe. Voilà. Mais bon, au moins... Déjà, en premier temps, je trouve que j'ai quand même bien rangé le truc, j'ai bien organisé mon magasin. Et avec tout, justement, le... On va appeler ça le premier chapitre. La première L du magasin central que j'ai pu acheter. Et je trouve ça vachement cool. Et bah écoutez les gens, on va du coup s'arrêter là pour la découverte de My Supermarket. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour mon magasin qui est quand même plutôt stylé. On va pas se mentir, je me permets. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche. Merci beaucoup les amis, c'est bien Jumper avec les abonnés et tout, et je vous dis du coup à très bientôt. Ciao les amis.